Frédéric Dard, mon père. Frédéric, c'était son vrai prénom. Frédéric, comment c'est les trois prénoms d'ailleurs exact... Charles-Antoine. Frédéric Charles-Antoine. Charles, c'est un prénom qu'il avait utilisé parfois pour des, oui, pour des pseudos. Pseudo. C'est ce que vous expliquez. Et quant à Antoine, évidemment, est-ce que c'est vraiment, alors, en choisissant une carte, ou est-ce qu'il a transformé la réalité en posant son doigt sur une carte du Texas ou du Mexique, je ne sais plus trop, mais en tout cas, qu'il a choisi la ville de San Antonio, oui, ou c'est parce que son prénom, c'était Antoine? Non, non, c'est vrai, l'histoire de la carte. Mon frère était là et il a assisté à la scène. Donc, il a ouvert un atlas et il voulait une ville exotique, parce qu'à l'époque, les écrivains anglais étaient plus célèbres. Et donc, il a pointé du doigt au hasard et il est tombé sur San Antonio. Bon, alors ce prénom Antoine vous poursuit, parce qu'on peut quand même dire aujourd'hui, évidemment, que ouais. Guy et Joséphine, vous avez eu un enfant il y a maintenant 3 ans, il a 3 ans, c'est il ça il vient d'avoir 3 ans. Il vient d'avoir 3 ans, qui s'appelle donc, comme par hasard, Antoine. Antoine, vous n'avez pas eu à réfléchir longtemps? Non. Non? Non, on était convaincus tout de suite. Vous, d'ailleurs, les prénoms dans la famille, ça a vraiment son importance, hein, j'ai cru comprendre. Ah oui, mon fils aîné s'appelle Federico, ouais. Donc... bien sûr, un hommage à papa. Et ma fille, Francesca, et ma mère s'appelle Françoise. Et vous-même, Joséphine, c'était... C'est le nom de la mère de papa. Voilà. Je me tourne un moment vers Guy, parce que après avoir épousé, et avant même peut-être le mariage, mais après avoir rencontré Joséphine, d'un seul coup, vous êtes rentré dans un univers, l'univers que, je ne sais pas si c'est celui dont vous rêviez, mais l'univers de votre maître, celui de Frédéric Dard. Vous racontez même que, par exemple, aller dans la maison, je crois que c'est à Fribourg, c'est ça, c'était impossible pour vous. C'est-à-dire que vous alliez à l'hôtel parce que vous n'arriviez pas à rentrer dans la maison, c'est vrai? Et ça les premières fois où Joséphine m'a invité là-bas, en Suisse, dans sa maison, je ne pouvais pas franchir le seuil. Et après, c'était, je crois, la troisième fois où j'ai pu entrer dans la maison. Et la première fois où il a fallu y dormir, je suis allé dans une dépendance. Enfin, je ne pouvais même pas rentrer dans ce bureau. Et maintenant, j'installe mon ordinateur là où il était. Enfin, il y a quand même un sentiment d'usurpation qui reste, c'est assez terrifiant. Est-ce que parfois vous ne dites pas à Guy, tu l'admires trop, ou est-ce que, dans le sens contraire, ce que vous avez appris depuis que vous connaissez Joséphine, ce que vous avez appris sur Frédéric Dard, ça ne vous a pas déçu, ça reste celui que vous aimiez? Non, non, non. Puis ce qu'elle a voulu faire passer, je pense, dans le bouquin, c'est l'immense amour et l'immense générosité que dégageait cet homme-là. Juste, je vais vous donner une anecdote. J'ai un fils qui a presque l'âge de Joséphine et qui faisait des études pour être journaliste. Et à un moment, il a été stagiaire à France Soir. Et moi, j'avais la collection entière des San Antonio. À l'époque, lui, il avait une vingtaine d'années. J'avais la collection entière des San Antonio et lui ne les lisait pas. Ça, c'est le conflit père-fils. Et France Soir l'a envoyé faire un reportage au Royal Monceau pour la promo d'un bouquin de son père. Et son père est resté avec lui pendant, a viré les autres journalistes qui attendaient, et est resté avec lui, lui a proposé, s'est intéressé à lui, lui a dit « mais tu veux de l'argent pour tes études ?» etc. Et mon fils est rentré et il s'est mis à lire San Antonio, alors que ça faisait des années qu'il ne voulait pas, évidemment, et il s'est pris d'une admiration sans borne pour cet homme qu'il connaissait alors que moi je ne le connaissais pas. Alors c'est évidemment surtout pour les fans, avant tout, il faut quand même le dire, ceux qui adorent Frédéric Dard, mais c'est aussi l'occasion de découvrir un auteur, un écrivain. Il y a des phrases aussi, j'en prends quelques-unes, parce que ça peut donner envie évidemment à ceux qui ne connaîtraient pas Frédéric Dard de le lire. Moi j'adore cette phrase. L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait. Ça, je trouve que c'est un joli résumé. Vous avez aimé ce livre, et après je reviens vers vous Joséphine. D'abord Zemmour et ensuite Nolo. Et est-ce que vous êtes fan de Frédéric Dard là? Alors, c'est un très très beau livre, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je regarde dès lors, on le déguste quoi. En fait, on prend les petites phrases au-dessus, et puis on revient et on lit un texte et puis on repart. On regarde les photos. Moi, j'aime bien les affiches de films, ouais. Des vieux films et tout ça. J'adore ça. Non, mais j'écoutais ce que disait Guy tout à l'heure sur son fils et tout, et ça me faisait sourire parce que j'ai eu exactement la même histoire. C'est-à-dire que pour moi, San Antonio, c'est mon père. C'est-à-dire que je le revois. Lire tout le temps à la maison des San Antonio, il les achetait comme ça en série, il se marrait, je l'entendais se marrer, etc. Et donc du coup, je ne lisais pas San Antonio.
Parce que pour moi, c'était les livres de mon père. Je ne voulais pas lire les mêmes livres que mon père. Et c'est drôle, en l'écoutant, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et en fait, j'en ai lu depuis, mais très peu, parce que, évidemment, je pense que c'est à l'adolescence et tout ça qu'on lit tout ça. Et donc, moi, du coup, je suis à. Il n'est jamais trop tard pour lire. Non, mais bien sûr, vous avez raison. En plus, j'aime cette inventivité. Mais c'est pas la même chose, on le vit pas de la même façon. On le voit avec un regard de vieux, entre guillemets. J'ai plus le regard de l'adolescence qui découvre, comme j'ai découvert Balzac à 13 ans. C'est pas la même chose. Donc évidemment, quand je relis Balzac, j'ai mon. Ou Alexandre Dumas, j'ai mes émotions d'adolescent que je n'ai pas avec. Avec d'art. J'ai un regard trop critique, trop technique, quoi. C'est Balzac, pas... je l'ai lu à 6 ans, moi. C'est pas ce que je voulais dire. Non, non, alors je reviens très fort. Moi, contrairement à Zemmour, j'ai découvert ça assez tôt, et surtout j'ai découvert avec l'histoire de France. Oui. Oui, alors ça c'est un choc quand vous êtes gamin, parce que l'histoire de France, on vous l'apprend à l'école. Tout d'un coup, vous avez quelque chose d'extrêmement subversif et d'extrêmement déroutant et du coup jouissif. Et puis, bien des années plus tard, je me souviens, j'étais prof en Bulgarie, et j'avais un collègue qui était donc bulgare, qui avait quasiment appris le français avec les livres de votre père, et il pensait que c'était le français qu'on parlait en France. Vous voyez, donc, voilà. Donc il parlait à 90% comme San Antonio. Moi, j'osais pas le détromper, le pauvre. Mais voilà, il y avait 90% d'argot. Simplement, tout ça est très touchant. Le problème, c'est qu'il y a un moment où les témoignages des gens qui fassent partie du cercle d'amis proches ou moins proches, c'est un peu trop convenu pour moi. Je trouve que ça plombe un peu le livre. Il y a Guy Carlier qui s'en tire très très bien. Cône aussi, d'ailleurs. Exactement. Il y a vous, votre texte, qui est très touchant, alors que ce n'est pas facile non plus. Il y a De Cône qui fait un truc très fort. Sinon, on croule un peu sous les hommages convenus. Et moi, j'aurais préféré qu'on économise cette place pour vraiment rendre hommage au génie littéraire de votre père. Parce que c'est un inventeur de langue, c'est un créateur de monde comme il n'y en a pas eu beaucoup. Je trouve que le rapprochement avec Balzac n'est pas du tout, pas du tout absurde, exactement. Puisque c'est des gens qui créent des univers. On entre en Balzacie, on entre en Frédéric Dardy, si je puis dire. Je me demande si le fait que ça soit un livre intime vous a empêché d'aller dans cette direction ou... Oui, mais je pense que les témoignages lui rendent un hommage sublime. Que ce soit Frédéric Becbédé, Antoine Decaune, Jérôme Garcin, c'est magnifique ce qu'ils disent sur son œuvre. Ouais. On n'entre pas dans cette galaxie, Frédéric Dard. Ah oui, c'est vrai. Mais peut-être, c'est vous qui racontez votre père, donc peut-être que le livre s'y prêtait pas, mais moi, c'est le seul regret que j'ai. Quelques phrases au hasard, hein, signé Frédéric Dard. Comment trouves-tu mes fesses? Très facilement. Ça, j'adore. Et celle-ci, ça va vous plaire, ça, Zemmour. Un homme intelligent n'est pas autre chose qu'un con raté. C'est très, très bien, ça. Hein? Pensez-y, ça. Voilà, j'y pense depuis longtemps. Alors, le fait que pour la première fois, vous parliez de votre enlèvement, votre disparition, je ne sais pas si c'est facile pour vous d'en parler ici sur ce plateau. Peut-être que c'est plus facile maintenant, d'ailleurs, après avoir écrit. Mais c'est quelque chose que vous aviez du mal à évoquer. Et même, vous avez expliqué que, une fois, je crois que c'est Jacques Pradel sur Europe 1 a voulu faire une émission là-dessus. Et ça vous a dérangé, gêné, embarrassé. Oui, ça, c'était terrible. Mais je suis restée dans le silence jusqu'à ce que j'écrive ce livre, finalement. Finalement, ça m'a fait bien, parce que ça fait maintenant presque 30 ans, donc il était peut-être temps de laisser sortir les choses. Et c'est vrai que quand ça s'est passé après, c'est pas comme maintenant où il y a des cellules psychologiques qui se mettent en place et tout, mais mes parents ont décidé de pas m'en parler et on n'en parlait pas à la maison, ni à l'école, ni avec personne. Et il y a un silence comme ça qui s'est installé, qui était vraiment lourd. Est-ce qu'il ne va pas loin, Jérôme Garcin, par exemple, quand il dit que votre papa est mentalement décédé en mars 83, quand Joséphine, vous, son soleil de minuit, a été chloroformé, enlevé par un détraqué en Suisse. J'imagine que les années qui ont suivi, les mois et les années qui ont suivi ont été difficiles, mais ça l'a marqué à ce point jusqu'au bout. Oui, ça l'a marqué à ce point. Quelques temps après, j'étais en Irlande dans une famille pour apprendre l'anglais et lui, il est devenu fou. Il a dû appeler un psychiatre parce qu'il cauchemardait sans arrêt, il était tout le temps dans une angoisse et tout. Et ça, c'est quelque chose dont on ne s'est jamais remis, ni lui, ni maman. Je parle assez peu de maman parce que le livre est consacré à papa, mais c'est la même chose. Ni moi, ça nous a vraiment...
Ça a cassé quelque chose. Alors l'aspect, évidemment, si ce n'est intéressant, en tout cas étonnant, c'est le fait effectivement qu'il était en train d'écrire le livre évoqué tout à l'heure par François Morel, « Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches ?» Je crois que c'est aussi une dédicace que Renaud a faite sur un de ses albums, hein, c'est ce que vous racontez dans cet ouvrage. Le chanteur Renaud, qui lui aussi a une admiration pour Frédéric Dard, et que Frédéric Dard aimait beaucoup, je crois aussi. Oui, c'était beaucoup. C'était une amitié commune. Et alors, ce livre qu'il était en train d'écrire est un livre où il évoquait la disparition, le kidnapping d'un enfant, et paf, sa fille à lui est kidnappée au même moment. Et là, alors, il y a une double question, c'est ça qui est intéressant, c'est savoir, est-ce qu'il a eu une prémonition ? Lui, il est persuadé qu'au contraire, qu'il a attiré le malheur et qu'il a fait que la chose rentre dans notre vie comme ça. Vous vous souvenez, vous, Guy Carlier, de ce moment où votre épouse aujourd'hui, mais qui n'était pas à l'époque. C'était ça a fait à l'époque la une des journaux. Et je me souviens surtout de ce bouquin, le moment dans ce livre, je crois que c'est à la page 200, où il raconte, où il dit, il y a un chapitre qui s'appelle « Lisa », où il dit « Voilà, j'étais en train d'écrire cette histoire d'enlèvement, et voilà ce qui est arrivé, une équipe est venue. » Et pour répondre à votre question à la place de Joséphine, quand vous dites « Est-ce qu'il a été marqué, etc. ?», il raconte donc cette chose-là. Il dit qu'il a mis le manuscrit au-dessus d'une armoire pendant 2 ans, je crois, un jour, c'est ça. Et sans oser y toucher, comme si ça attirait le malheur. Et qu'après, il était attiré sans arrêt, il a repris le bouquin. Et quand il termine cette page, lit ça en disant « personne n'avait été tué dans l'aventure, personne n'était mort, mais quelque chose était mort ». Donc je pense quelque chose en lui, évidemment. C'est un bon San Antonio, celui que vous avez lu quand même depuis « Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches », Joséphine ? Moi, j'ai beaucoup de mal à le lire et je ne peux pas le lire en une fois. Je m'arrête plusieurs semaines, même plusieurs mois, et après je le reprends. C'est très douloureux pour moi. Peut-être que maintenant que j'ai réussi à parler de tout ça dans mon livre, je vais le lire autrement maintenant. La famille, écrit-il, et vous reprenez cette phrase dans le livre, la famille c'est quand même la sécurité, la poche initiale, c'est dans cette espèce d'enveloppe que tu te sens le plus sûr de toi, le plus sûr d'être aimé, le plus sûr de ton amour, le plus sûr de la durée des sentiments, le plus sûr de ton utilité. Moi j'ai une famille comme j'en souhaite à tous mes frères humains. C'est joli. Et jusqu'au bout, la famille a été soudée. Vous racontez les derniers jours. Vous racontez d'ailleurs aussi le dernier jour de l'an avec votre papa et un moment à la fois terrible et sublime, c'est-à-dire où vous comprenez, vous savez déjà l'un et l'autre que ce sera votre dernier 31 décembre, votre dernier réveillon. Oui. Parce qu'il était malade, il savait qu'il devait se faire opérer très, très rapidement. Et c'était terrible parce qu'on savait qu'en se disant bonne année, on se disait au revoir. Et je raconte ce décompte des 12 coups de minuit. Et on n'avait pas envie de s'approcher pour s'embrasser, pour se souhaiter bonne année parce qu'on ne l'est pas. Tomber dans l'hypocrisie générale et le mensonge, en fait. Et il est parti depuis. Est-ce que vous sentez-vous plus que vos frères et sœurs ou demi-frères? Vous dites frères et sœurs toujours, hein, jamais demi-frères et demi-sœurs. Il faut expliquer que vous êtes la fille de Frédéric Dard d'un deuxième mariage. Il avait eu une première épouse. Et d'ailleurs, Patrice Dard, qui continue à écrire des San Antonio, lui est le fils issu du premier mariage, hein, oui. On est bien d'accord. Est-ce que vous êtes, vous, plus peut-être, on va dire, l'héritière spirituelle ou celle qui gère la... Comment ça se passe en termes d'ayant droit? C'est vous qui vous occupez de ça ou c'est collectivement avec les frères et sœurs? Donne les comptes. Parce que parfois les familles se déchirent avec ça. Il avait tout préparé et c'est surtout maman qui s'en occupe et c'est collectivement, ça pose jamais aucun problème. Et Patrice Dard, qu'on avait reçu il y a quelques années quand il a écrit le premier San Antonio, qui était commencé d'ailleurs avec votre papa, je crois que c'est votre papa qui l'a poussé à écrire, hein, votre frère, il l'a poussé à reprendre et à continuer l'œuvre, lui dit « je n'aurais pas fait si je n'avais pas eu l'autorisation de mes sœurs ». Oui, il a demandé l'autorisation de tout le monde et je pense que
qu'il en avait besoin et donc, bien sûr, on ne s'y est pas opposé. Puisque notre destin commun est de finir dans un trou, fasse le ciel qu'il a du poil autour. Moi, ça, j'adore. Voilà, c'est du Frédéric Dard. Et évidemment, la version Frédéric Dard de Si tous les cons volaient, moi, j'aime beaucoup. Si tous les cons volaient, il ferait nuit. Voilà, c'est simple, c'est efficace et c'est du Frédéric Dard. Moi, c'est assez curieux, mais je vous l'ai dit, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a peu de temps. Curieusement, je suis venu à San Antonio et à Frédéric Dard par la bande dessinée. Comme quoi, vous voyez, parfois, la bande dessinée, ça... J'en ai apporté. Ça, c'est trop gentil parce que je ne les ai plus, mais effectivement, je crois que c'est à la fin des années 70, ou en tout cas dans les années 70, moi, que j'ai découvert San Antonio par la bande dessinée. Et c'est vrai que c'était, les personnages étaient très bien croqués. Moi, j'adorais Marie-Marie, évidemment. Et après, évidemment, j'ai lu des San Antonio, les bouquins, les romans. Et là, ça n'existe plus les bandes dessinées aujourd'hui. On pourrait continuer à sortir les BD de San Antonio. Oui. Ça n'a pas été un gros succès? Non, je crois pas. C'était vraiment anecdotique, mais je crois qu'il y a un projet. Madame Berry, moi je la trouve formidable en tout cas. Et San Antonio, le physique. Alors, est-ce que c'était la caricature, en tout cas le portrait du comédien Gérard Barret? Ça y ressemble. Hein. Ouais. Le premier San Antonio porté à l'écran, c'est Gérard Barret qui le jouait, qui est devenu un ami de Frédéric Dard. Oui, ils se sont retrouvés quelques années après dans le sud de l'Espagne parce que Gérard Barret habite à Marbella et s'est installé là-bas. Et c'était vraiment une belle surprise que de se retrouver. Et ils se sont énormément fréquentés, ils sont très très proches. C'est lui aussi, Frédéric Dard, qui a écrit « Il faut mourir pour mesurer pleinement son degré de popularité ». Il y a 10 ans qu'il nous a quittés. Ben aujourd'hui, grâce à vous, en tout cas, son degré de popularité est intact parce qu'on en parle encore ici ce soir. Et on va encourager ceux qui n'auraient jamais lu Frédéric Dard à le faire dès demain. Est-ce qu'il faut commencer par un San Antonio ou par un autre livre? Non, pas un San Antonio, y aller carrément. Il faut y aller carrément par un San Antonio. Merci Joséphine Dard d'être venue témoigner sur ce plateau.